Bonjour à tous. À quelques semaines de notre conférence consacrée à la gestion de patrimoine, une conférence qui se tiendra en soirée le 26 septembre à Paris, nous retrouvons Corinne Caro. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale du Conservateur. Et Thibaut Cosnet. Bonjour Thibaut. Bonjour Cécile. Vous êtes directeur de l'offre épargne et patrimoniale également au Conservateur. Alors bienvenue à tous les deux. On s'était vu fin juin, début juillet. Et à l'époque, l'horizon politique était un peu incertain. L'été s'est passé, on peut dire une chose, ça ne s'est pas tellement amélioré. Alors, qu'est-ce que vous, dans ce contexte un peu fou, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce qu'on doit faire en matière de gestion de patrimoine, Thibault ? Déjà, il ne faut pas négliger que la gestion de patrimoine, c'est un temps long. Et que dans un temps long, il y aura toujours des évolutions. Des évolutions politiques, fiscales, économiques. Et donc, il faut vraiment avoir une stratégie, peser les différentes étapes et les différents objectifs propres à la gestion de patrimoine et être capable d'adapter progressivement ses choix patrimoniaux en fonction de l'environnement, sans aucune forme de stress ni aucune forme de panique. Et donc, là, aujourd'hui, il y aura forcément des choses à mettre en œuvre d'ici la fin de l'année. Mais néanmoins, prenons le temps de mûrir ces stratégies. Certains nous prédisent un nouvel horizon fiscal. C'est pas grave ? Non, on est habitué d'abord. Chaque année, il y a son lot de lois de finances et lois de finances rectificatives avec ses adaptations, voire grandes réformes fiscales. Alors cette année, effectivement, on est dans une attente. On nous parle de déficit public, donc on pense à des recettes fiscales, donc peut-être un alourdissement de la fiscalité. Mais parfois, il y a aussi des opportunités à saisir, hein, parce que la fiscalité, c'est aussi des stratégies hein, pour drainer l'épargne vers telle ou telle activité. Donc il faut attendre ces évolutions et toujours être vigilant sur l'aspect fiscal, puisque dans une bonne stratégie patrimoniale, on doit effectivement prendre en compte l'aspect fiscal s'il y a des opportunités à prendre, mais également intégrer les autres axes hein, de la décision, l'axe économique, l'axe civil et l'axe prévoyance. Hein. Donc la fiscalité, certes, est un élément important. On aura effectivement des nouveautés cette année, mais toujours une réflexion qui intègre d'autres critères de décision pour assurer la pérennité finalement des stratégies que l'on souhaite mettre en place. C'est la période de la rentrée. Pour beaucoup, c'est la période des bonnes résolutions. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il faut prévoir un peu de temps là, d'ici la fin de l'année pour plancher sur sa gestion de patrimoine ? Assurément, oui. Puisque pour parler de la partie économique et financière, là, il y a un vrai changement de ton qui a été annoncé en cours du côté des politiques des banques centrales. Il y a un ralentissement économique. Il va y avoir forcément des évolutions économiques et financières qui vont devoir pousser les épargnants à revoir la composition de leurs actifs, faire des arbitrages, faire des modifications. Il y a toujours le temps long qu'on néglige souvent, que j'évoquais en introduction, et qui nécessite probablement de faire des arbitrages patrimoniaux, pas forcément à l'aune des événements immédiats et actuels, mais en tout cas, il y a toujours un bon moment pour se poser de manière structurée pour la gestion de son patrimoine, et probablement cette rentrée de 2024 sera un temps fort de ceci. Planification patrimoniale, mais aussi planification financière. Hein. Donc effectivement, l'environnement économique et l'environnement fiscal vont permettre à tous nos clients d'auditer, d'ajuster, voire de saisir les opportunités si elles existent en matière financière et fiscale. Merci beaucoup à tous les deux pour ces premiers conseils et je vous donne rendez-vous à tous le 26 septembre en espérant qu'on en saura beaucoup plus. Merci. Merci.